Une chaise, une table, une lampe. Au-dessus, sur le plafond blanc, un ornement en relief en forme de couronne et en son centre, un espace vide, replâtré, comme l'endroit d'un visage d'où un œil a été extrait. Il y a dû y avoir un lustre un jour. Ils ont retiré tout ce à quoi on pourrait rattacher une corde. Une fenêtre, deux rideaux blancs. Sous la fenêtre, une banquette avec un petit coussin. Quand la fenêtre est en partie ouverte, elle ne s'ouvre qu'en partie. L'air peut entrer et faire bouger les rideaux. Je peux m'asseoir sur la chaise ou sur la banquette, les mains jointes, et contempler cela. Des rayons de soleil entrent aussi par la fenêtre et tombent sur le sol qui est fait de bois, en lattes étroites, d'un beau poli. Je sens l'odeur de la cire. Il y a un tapis par terre, ovale, fait de chiffons tressés. C'est le genre de style qui leur plaît. Art folklorique, archaïque, fait par des femmes pendant leurs loisirs à partir de choses qui ne sont plus utilisables. Un retour aux valeurs traditionnelles. Qui ne gaspille pas ne connaîtra pas le besoin. On ne me gaspille pas. Pourquoi suis-je dans le besoin ? Au mur, au-dessus de la chaise, un tableau, encadré mais sans verre. Une reproduction de fleurs, des iris bleus, à l'aquarelle. Les fleurs sont encore autorisées. Avons-nous la même reproduction, la même chaise, les mêmes rideaux blancs ? Je me le demande. Matériel militaire réglementaire ? Dites-vous que c'est comme si vous étiez dans l'armée, disait Tante Lydia. Un lit à une place, matelas semi-dur, recouvert d'une contrepointe floquée blanche. Il ne se passe rien dans un lit, sauf dormir ou ne pas dormir. J'essaie de ne pas trop penser. Comme d'autres choses maintenant, la pensée doit être rationnée. Il y a beaucoup de choses auxquelles il n'est pas supportable de penser. Penser peut nuire à nos chances et j'ai l'intention de durer. Je sais pourquoi il n'y a pas de verre sur l'aquarelle aux iris bleus, pourquoi la fenêtre ne s'ouvre qu'en partie et pourquoi la vitre est en fer incassable. Ce n'est pas une fuite qu'ils craignent. Nous n'irions pas loin. Ce sont ces autres évasions,
celle qu'on peut ouvrir en soi-même si l'on dispose d'un objet tranchant. Voyons. Hormis ces détails, ce pourrait être une chambre d'hôte d'université destinée aux visiteurs les moins distingués, ou une chambre dans une pension de famille d'autrefois pour dames aux moyens restreints. Ce que nous sommes maintenant, nos moyens ont été restreints pour celles de nous qui ont encore des moyens. Mais une chaise, du soleil, des fleurs, tout ça n'est pas à dédaigner. Je suis vivante. Je vis, je respire, j'étends la main, ouverte, dans le soleil. Ce lieu où je suis n'est pas une prison, mais un privilège, comme disait Tante Lydia, qui adorait les solutions extrêmes. La cloche qui mesure le temps sonne. Le temps est mesuré ici par des sonneries, comme jadis dans les couvents. Et comme dans un couvent, il y a peu de miroirs. Je me lève de la chaise, j'avance les pieds au soleil dans leurs souliers rouges à talons plats pour ménager la colonne vertébrale et pas pour aller danser. Les gants rouges sont posés sur le lit. Je les ramasse, je les enfile à mes mains, un doigt après l'autre. Tout, sauf les ailes qui m'encadrent le visage, est rouge. La couleur du sang qui nous définit. La jupe descend jusqu'aux chevilles, elle est ample, reprise dans un empiècement plat qui couvre les seins. Les manches sont larges. Les ailes blanches sont réglementaires, elles nous empêchent de voir, mais aussi d'être vues. Je n'ai jamais été à mon avantage en rouge. Ce n'est pas ma couleur. Je ramasse le papier à commission, le passe à mon bras. Je parcours le vestibule, passe devant la porte du salon et celle qui mène à la salle à manger. J'ouvre la porte à l'extrémité du couloir et pénètre dans la cuisine. Ici, l'odeur n'est plus celle de la cire à meubles. Rita est là, debout, à la table. Elle porte sa robe habituelle de Martha, d'un vert terne, comme une blouse de chirurgien du temps d'avant. Cette robe ressemble beaucoup à la mienne par sa coupe, longue et dissimulante, mais elle est recouverte d'un tablier à bavettes et ne comporte ni les ailes ni le voile. Elle revêt le voile pour sortir, mais personne ne se soucie beaucoup que le visage d'une Martha soit vu. Elle a les manches roulées au coude, découvrant ses bras bruns. Elle est en train de faire du pain, de façonner les miches pour le dernier pétrissage rapide, suivi de la mise en forme. Rita me voit et fait un signe de tête en guise de salut, essuie ses mains farinées à son tablier et fourrage dans le buffet de cuisine à la recherche du carnet de tickets. Sourcils froncés, elle détache 3 tickets et me les tend. Son visage pourrait être bienveillant si seulement elle souriait. Mais le froncement de sourcils ne s'adresse pas à moi. C'est la robe rouge qu'elle désapprouve, avec ce qu'elle représente. Je pense que je risque d'être contagieuse, comme une maladie ou n'importe quelle forme de malchance. Je prends les tickets dans la main tendue de Rita. Ils portent des images qui représentent les choses contre quoi on peut les échanger. Une douzaine d'œufs, un morceau de fromage, un objet brun qui est censé représenter un steak. Je les range dans la poche à glissière de ma manche, là où je garde mon laissez-passer. « Dites-leur bien frais les œufs, » fait-elle, « pas comme la dernière fois. » « Et dites-leur un poulet, pas une poule. Dites-leur pour qui c'est,
Et ils ne vous conneront pas n'importe quoi. Je réponds, très bien. Je ne souris pas. Pourquoi l'attirer dans une amitié? Je sors par la porte de derrière et me trouve dans un jardin qui est vaste et bien entretenu. Une pelouse au milieu, un saule, pleurant des chatons tout autour, des plates-bandes de fleurs, où les jonquilles maintenant se fanent et où les tulipes ouvrent leurs calices et répandent de la couleur. Les tulipes sont rouges, d'un cramoisi plus foncé vers la tige, comme si on les avait coupées là et qu'elles commençaient à se cicatriser. Le jardin est le domaine de l'épouse du commandant. En regardant par ma fenêtre aux vitres incassables, je l'y ai vue souvent, les genoux sur un coussin, un voile bleu pâle jeté sur son chapeau de jardinier à large bord, un panier à ses côtés, garni de sécateurs et de bouts de ficelle pour attacher les fleurs en place. Un gardien affecté au service du commandant assure le gros bêchage. L'épouse du commandant dirige les opérations en pointant avec sa canne. Beaucoup d'épouses ont des jardins. Cela leur donne quelque chose à organiser, entretenir et soigner. J'ai eu un jardin autrefois. Je me rappelle l'odeur de la terre retournée, les formes rebondies des bulbes tenus dans les mains, plénitude, le bruissement sec des graines filant entre les doigts. Le temps pouvait passer plus vite ainsi. Parfois, l'épouse du commandant fait apporter un fauteuil et reste juste assise dans son jardin. De loin, ça ressemble à la paix. Je parcours le chemin de gravier qui divise la pelouse de derrière, proprement, comme une raie dans les cheveux. Il a plu dans la nuit. L'herbe de part et d'autre est humide. L'air moite. Ça et là, il y a des vers de terre, preuve de la fertilité du sol, surpris par le soleil, à demi mort, souple et rose, comme des lèvres. J'ouvre le portail en palissade blanche, traverse la pelouse de devant et approche de la grille principale. Dans l'allée du garage, l'un des gardiens affectés à notre maisonnée lave la voiture. Cela doit signifier que le commandant est à la maison, dans ses appartements, au-delà de la salle à manger et au fond, là où il semble se tenir la plupart du temps. J'ouvre le portail principal et le referme derrière moi en regardant par terre et non pas en arrière. Le trottoir est en briques rouges. C'est sur ce paysage-là que je me concentre. Un champ de rectangles qui ondule légèrement là où la terre en dessous s'est gondolée après des décennies de gel hivernal. La couleur des briques est ancienne et pourtant fraîche et claire. Les trottoirs sont mieux entretenus qu'ils ne l'étaient. Je marche jusqu'au coin et j'attends. Avant, je savais très mal attendre. Qui se contente d'attendre a aussi son utilité, disait tante Lydia. Elle nous faisait apprendre cela par cœur. Elle disait aussi, vous ne réussirez pas toutes. Certaines tomberont sur un terrain aride ou sur des épines. Certaines ont des racines superficielles. Elle avait une verrue au menton qui montait et descendait tandis qu'elle parlait. Elle disait « Considérez-vous comme des graines !» Et elle prenait alors un ton enjôleur de conspiratrice, comme ces femmes qui enseignaient jadis la danse classique aux enfants et qui disaient « Et maintenant,
les bras en l'air, faisons comme si nous étions des arbres. Je suis plantée au coin de la rue, à faire comme si j'étais un arbre. Une forme, rouge, avec des ailes blanches autour du visage. Une forme pareille à la mienne. Une femme indéfinissable qui porte un panier s'avance vers moi le long du trottoir de briques rouges. Elle me rejoint et nous nous scrutons le visage. Du fond des tunnels de tissu blanc qui nous enferment. C'est bien elle. Béni soit le fruit, me dit-elle, le salut consacré entre nous. Je réponds. Que le Seigneur ouvre. La réplique convenue. Nous faisons demi-tour et cheminons ensemble le long des grandes maisons vers le centre de la ville. Nous ne sommes pas autorisés à nous y rendre, sauf à deux. Ceci est censé assurer notre protection, quoique l'idée soit absurde. Nous sommes déjà bien protégés. La vérité, c'est qu'elle est mon espionne et moi la sienne. Si l'une de nous glissait à travers les mailles de filet à cause de quelque chose qui arriverait au cours de l'une de nos promenades quotidiennes, l'autre serait tenue pour responsable. Cette femme-ci est ma partenaire depuis 2 semaines. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la précédente. Un beau jour, elle n'était tout simplement plus là et celle-ci était là à sa place. Ce n'est pas le genre de choses sur quoi on pose des questions. Car les réponses ne sont pas en général de celles qu'on voudrait entendre. De toute façon, il n'y aurait pas de réponse. Celle-ci est un peu plus potelée que moi. Elle a les yeux bruns. Elle s'appelle De Glen. Et c'est à peu près tout ce que je sais d'elle. Elle marche d'une allure modeste, la tête baissée, les mains gantées de rouge croisées devant elle, à petits pas brefs comme un cochon, dressée sur ses pattes de derrière. Au cours de ses promenades, elle n'a jamais rien dit qui ne soit strictement orthodoxe, et d'ailleurs, moi non plus. Il se peut qu'elle soit une véritable croyante, une servante, pas seulement par le nom. Je ne peux pas courir de risque. Flanquée de mon double, je parcours la rue. Nous avons quitté le quartier du commandant, mais ici encore, il y a de vastes demeures. Devant l'une d'elles, un gardien tond la pelouse. Les pelouses sont bien entretenues, les façades plaisantes, en bon état. On dirait les magnifiques photographies que l'on voyait avant, dans les revues sur les maisons et les jardins et la décoration intérieure. Même absence de gens, même impression de sommeil. La rue est presque comme un musée ou une rue de maquettes construites pour montrer comment les gens vivaient autrefois. Comme dans ces images, ces musées, ces maquettes de ville, il n'y a pas d'enfants. Nous sommes au cœur de Gilead, là où la guerre ne peut pas faire intrusion, sauf à la télévision. Où sont les frontières? Nous n'en sommes pas sûrs. Elles varient selon les attaques et les contre-attaques. Mais nous sommes ici au centre où rien ne bouge. La République de Gilead, disait Tante Lydia, ne connaît pas de frontières. Gilead est en vous. Ici vivaient jadis des médecins, des avocats, des professeurs d'université. Il n'y a plus d'avocats et l'université est fermée. Luc et moi, nous promenions ensemble parfois le long de ces rues. Nous parlions d'acheter une maison semblable à l'une de celles-ci, une grande vieille maison que l'on aménagerait. Nous aurions un jardin, des balançoires pour les enfants. Nous aurions des enfants.
tout en sachant qu'il est peu probable que nous en ayons un jour les moyens. C'était un sujet de conversation. Notre jeu du dimanche, pareille liberté, paraît aujourd'hui presque aérienne. Nous tournons au coin d'une rue principale où il y a davantage de circulation. Des voitures passent, noires pour la plupart, quelques-unes gris et marron. Il y a d'autres femmes avec des paniers, certaines en rouge, d'autres portant le vert terne des Martha, d'autres vêtues de robes à rayures rouges, bleues et vertes, bon marché et étriquées, qui signalent les épouses des hommes pauvres. On les appelle les économes. Elles ne sont pas réparties selon leurs fonctions, elles doivent tout faire, si elles le peuvent. Parfois, on voit une femme tout en noir, une veuve. Il y en avait davantage avant, mais elles semblent se faire rares. On ne voit pas les épouses des commandants sur les trottoirs, seulement dans les voitures. Les trottoirs ici sont en ciment. Comme un enfant, j'évite de marcher sur les rainures. Je me rappelle mes pieds sur ces trottoirs dans le temps d'avant et comment j'étais chaussée. Parfois, c'était des chaussures de course avec des semelles rembourrées et des trous d'aération et des étoiles d'une matière fluorescente qui reflétait la lumière dans l'obscurité. Pourtant, je ne courais jamais la nuit et dans la journée seulement au long de routes bien fréquentées. Les femmes n'étaient pas protégées en ce temps-là. Je me souviens des règles. Il n'était jamais précisé, mais des règles que toute femme connaissait. Ne pas ouvrir la porte à un étranger, même s'il affirme être de la police. Lui demander de glisser une pièce d'identité sous la porte. Ne pas s'arrêter sur la route pour aider un automobiliste qui prétend être en difficulté, garder les portières verrouillées et poursuivre sa route. Si quelqu'un siffle, ne pas se retourner. Ne pas se rendre dans une laverie automatique seule la nuit. Je pense aux laveries automatiques, à ce que je portais pour m'y rendre, shorts, jeans, survêtements. À ce que j'y mettais, mes propres vêtements, mon propre savon, mon propre argent, l'argent que j'avais gagné moi-même, je songe à ce que représentait cette indépendance. À présent, nous parcourons la même rue par paires rouges et aucun homme ne nous crie d'obscénité, ne nous parle ni ne nous touche. Personne ne siffle. Il y a plus d'une sorte de liberté, disait Tante Lydia. La liberté de et la liberté par rapport à. Au temps de l'anarchie, c'était la liberté de. Maintenant, on vous donne la liberté par rapport à. Ne la sous-estimez pas. Un groupe de gens s'avance vers nous. Ce sont des touristes.
des Japonais, semble-t-il. Une délégation commerciale qui visite les lieux historiques ou est en quête de couleurs locales. Ils sont minuscules et propres. Chacun et chacune a un appareil photographique et un sourire. Ils regardent autour d'eux, les yeux brillants, en tournant la tête de côté comme des rouges-gorges. Leur bonne humeur est agressive. Je ne peux m'empêcher de les dévisager. Il y a longtemps que je n'ai pas vu de femme porter des jupes aussi courtes. Elles leur arrivent juste au-dessus du genou et les jambes en émergent, presque nues sous leurs bas-fins. Elles ont des souliers à hauts talons dont les lanières s'attachent à leurs pieds comme de délicats instruments de torture. Les femmes vacillent sur leurs pieds acérés comme des échasses, mais en déséquilibre, le dos cambré à la taille, les fesses rejetées en dehors. Elles ont la tête découverte et leurs cheveux aussi sont exposés dans toute leur noirceur et toute leur sexualité. Elles portent du rouge à lèvres carmin qui dessine les contours de la cavité humide de leur bouche, comme les graffitis de murs de toilette autrefois. Je cesse d'avancer. De Glenn s'arrête à côté de moi et je sais qu'elle non plus ne peut détacher les yeux de ces femmes. Nous sommes fascinés, mais aussi dégoûtés. Elles paraissent déshabillées. Il a fallu si peu de temps pour changer notre façon de voir ces choses-là. Puis je pense, je m'habillais de la même façon. C'était la liberté. Occidentalisée, disait-on. Les touristes japonais se dirigent vers nous en gazouillant et nous détournons la tête trop tard. Nos visages ont été vus. Ils ont un interprète, costume bleu standard et cravate à motif rouge, avec l'épingle représentant l'œil ailé. C'est lui qui se détache, sort du groupe devant nous, nous bloque le passage. Les touristes se massent derrière lui. L'un brandit un appareil photo. « Excusez-moi, nous dit-il à toutes les deux, assez poliment. Ils demandent s'ils peuvent vous prendre en photo. » Je baisse les yeux sur le trottoir, secoue la tête pour signifier « non ». Ce qu'ils doivent voir, c'est seulement les ailes blanches, un bout de visage, mon menton et une partie de ma bouche, pas mes yeux. Je me garderais bien de regarder un interprète droit en face. La plupart des interprètes sont des yeux, du moins c'est ce que l'on dit. Je me garderais tout autant de dire « oui ». La modestie, c'est d'être invisible, disait Tante Lydia. Ne l'oubliez pas, être vu, être vu, être vu, c'est être pénétré. Et ce que vous devez être, mesdemoiselles, c'est impénétrable. Elle nous appelait mademoiselle. À mes côtés, De Glenn aussi est silencieuse. Elle a fourré ses mains gantées de rouge dans ses manches pour les cacher. L'interprète se retourne vers le groupe, leur débite un discours staccato. Je sais ce qu'ils doivent dire, je connais le refrain. Ils doivent leur dire que les femmes d'ici ont des coutumes différentes, que les dévisager à travers la lentille d'un appareil photo équivaut pour elles à être violées. Je fixe le trottoir, hypnotisée par les pieds des femmes. L'une d'elles porte des sandales à bout ouvert. Les ongles de ses orteils sont peints en rose. Je me rappelle l'odeur du vernis à ongles, la manière dont il se ridait quand on l'appliquait la seconde couche trop vite, le frôlement satiné de collants fins contre la peau, ce que ressentaient les orteils, poussés vers la découpe de la sandale par tout le poids du corps. La femme aux orteils vernis passe d'un pied sur l'autre. Je peux sentir ses chaussures comme si je les portais moi-même aux pieds. L'odeur du vernis à ongles m'a donné faim. « Excusez-moi, dit encore l'interprète, pour attirer notre attention. Je fais un signe de tête pour montrer que j'ai entendu.
Il demande « Est-ce que vous êtes heureuse ?» Je peux l'imaginer, leur curiosité. Sont-elles heureuses ? Comment peuvent-elles être heureuses ? Je sens leurs yeux noirs brillants sur nous, la manière dont ils se penchent légèrement en avant pour saisir nos réponses, les hommes surtout, mais les femmes aussi. Nous sommes secrètes, interdites, nous les excitons. De Glenn ne dit rien. Il y a un silence, mais parfois, il est tout aussi dangereux de ne pas parler. Je murmure, « Oui, nous sommes très heureuses. Il faut bien que je dise quelque chose. Que puis-je dire d'autre ?» Un pâté de maison. De Glenn s'arrête, comme si elle hésitait sur l'itinéraire à suivre. « Nous avons le choix. Nous pourrions rentrer tout droit ou nous pourrions prendre le chemin le plus long. Nous savons déjà par où passer, car c'est la route que nous prenons toujours. « J'aimerais passer par l'église, » dit De Glenn, feignant la piété. Je réponds « Très bien », tout en sachant aussi bien qu'elle ce qu'elle veut vraiment. Nous marchons posément. Le soleil brille dans le ciel. Il y a des nuages blancs, floconneux, de ceux qui font penser à des moutons sans tête. À cause de nos ailes, nos œillères, il est malaisé de regarder en l'air, d'avoir une vue complète du ciel ou de quoi que ce soit. Mais nous y parvenons, fragment par fragment, un mouvement rapide de la tête, de haut en bas, de droite à gauche. Nous avons appris à voir le monde par hoquet. À droite, si l'on pouvait continuer par là, il y a une rue qui nous conduirait à la rivière. Il y a un hangar à bateaux où on rangeait jadis les bateaux et des ponts, des arbres, des rives verdoyantes où l'on pouvait s'asseoir et contempler l'eau, où les jeunes hommes aux bras nus qui levaient leurs avirons au soleil tout en jouant à gagner. Sur le chemin de la rivière se trouve l'ancienne maison des étudiants, utilisée maintenant à d'autres fins, avec ses tourelles de contes de fées peintes en blanc, or et bleu. Quand nous pensons au passé, ce sont les choses belles que nous choisissons. Nous voulons penser que tout était ainsi. Le stade de football est là aussi. C'est là que se tiennent les rédemptions pour les hommes, ainsi que les matchs de football. Ces derniers existent encore. Je ne descends plus à la rivière. Je ne passe plus de pont. Je ne prends plus le métro, quoiqu'il y ait une station ici même. Nous n'y avons plus accès. Il y a maintenant des gardiens. Nous n'avons pas de raison officielle de descendre ces escaliers, de prendre les trains qui passent sous la rivière et pénètrent dans le cœur de la ville. Pourquoi voudrions-nous aller là-bas? Ce serait avoir quelques complots en tête, et ils le sauraient. L'église est petite, et c'est l'une des premières à avoir été bâtie ici, il y a des centaines d'années. Elle n'est plus utilisée, sauf comme musée. À l'intérieur, on peut voir des portraits de femmes en longues robes sombres, les cheveux couverts de bonnets blancs, et d'hommes raides, vêtus de noir et qui ne sourient pas, nos ancêtres. L'entrée est gratuite. Nous n'entrons pas, pourtant, mais restons sur le chemin à regarder le cimetière. Les vieilles tombes sont toujours là, patinées, assez effritées, avec leurs crânes et leurs os croisés, leurs anges à visage mollasse, leurs sabliers ailés qui nous rappellent la fuite du temps. Ils n'ont pas bricolé les tombes, ni l'église. C'est seulement l'histoire récente qui les dérange. De Glenn a la tête inclinée, comme si elle priait. Elle le fait à chaque fois. Je me dis que peut-être il y a quelqu'un ici,
quelqu'un de cher qui a disparu pour elle aussi? Un homme? Un enfant? Mais je ne peux le croire tout à fait. Je la considère comme une femme chez qui le moindre geste est fait pour la galerie, qui joue plutôt qu'elle n'agit vraiment. Elle fait cela pour paraître exemplaire. Elle veut s'en tirer le mieux possible. Mais c'est l'impression que je dois lui donner moi aussi. Comment pourrait-il en être autrement? Maintenant, nous tournons le dos à l'église. Et voici ce qu'en vérité, nous sommes venus voir. Le mur. Le mur. Le mur est vieux de centaines d'années. Lui aussi, ou de plus d'un siècle au moins. Comme les trottoirs, il est en briques rouges et a dû un jour être simple mais beau. Maintenant, les portes sont flanquées de sentinelles. Il est surmonté de nouveaux projecteurs hideux fixés sur des poteaux métalliques. Et il y a du fil de fer barbelé le long de sa base et des éclats de verre fichés dans du béton le long de sa crête. Personne ne franchit ces portes de son plein gré. Les précautions concernent ceux qui essaieraient de sortir. Quoique parvenir jusqu'au mur en venant de l'intérieur, malgré le système d'alarme électronique, serait quasiment impossible. À partir de la porte principale, il y a 6 corps de plus pendus par le cou, les mains liées devant eux, la tête fourrée dans un sac blanc et inclinée de côté sur l'épaule. Il y a dû y avoir rédemption d'homme tôt ce matin. Je n'ai pas entendu les cloches. Peut-être en ai-je pris l'habitude. Nous nous immobilisons ensemble, comme à un signal, et restons à regarder les corps. Cela ne fait rien que nous regardions. Nous sommes censés les voir. C'est pour cela qu'ils sont là à pendre sur le mur. Parfois, ils y restent plusieurs jours, jusqu'à ce qu'arrive une nouvelle fournée. Ils sont suspendus à des crochets. Ces crochets ont été fixés dans les briques du mur à cette fin. Tous ne sont pas occupés. Ils ressemblent à des protestes pour manchots. Ou à des points d'interrogation d'acier retournés et inclinés de côté. Le pire, ce sont les sacs qui recouvrent les têtes, pire que ne le seraient les visages eux-mêmes. Cela fait ressembler ces hommes à des poupées, dont on n'aurait pas encore peint le visage, à des épouvantails, ce que dans un sens ils sont, puisqu'ils sont là pour épouvanter. Ou encore, comme si leurs têtes étaient des sacs bourrés de quelconques matériaux indifférenciés, de la farine ou de la pâte. C'est la lourdeur manifeste des têtes, leur vide, la manière dont la pesanteur les tire vers le bas et il n'y a plus de vie pour les redresser. Ces têtes sont des zéros. Si on les regarde avec insistance comme nous le faisons, on peut distinguer le dessin des traits sous le tissu comme des ombres grises. Ces têtes sont des têtes de bonhomme de neige, d'où les yeux en charbon, le nez en carotte seraient tombés. Les têtes fondent, mais sur l'un des sacs, il y a du sang qui a suinté à travers le tissu blanc, là où devait se trouver la bouche. Cela forme une autre bouche, petite et rouge, comme les bouches peintes au gros pinceau par des enfants de la maternelle.
une vision enfantine d'un sourire. En fin de compte, c'est ce qui retient l'attention, c'est le sourire de sang. Car après tout, il ne s'agit pas de bonshommes de neige. Les hommes portent des blouses blanches, comme celles que portaient les médecins ou les savants. Médecins et savants ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres, mais on a dû faire une rafle ce matin. Chacun a un placard suspendu autour du cou pour indiquer pourquoi il a été exécuté. Le dessin d'un fœtus humain. Donc ils étaient médecins, dans le temps d'avant, quand pareille chose était légale. Des faiseurs d'anges, les appelait-on. Ou était-ce autre chose ? Ces hommes, nous a-t-on dit, sont comme des criminels de guerre. Que ce qu'ils ont fait fut légal à l'époque n'est pas une excuse. Leurs crimes sont rétroactifs. Ils ont commis des atrocités et doivent devenir les exemples pour les autres. Pourtant, cela n'est guère nécessaire. Aucune femme, dans son bon sens aujourd'hui, ne chercherait à prévenir une naissance, à supposer qu'elle ait la chance de concevoir. Ce que nous sommes supposés ressentir envers ces corps, c'est de la haine et du mépris. Ce n'est pas ce que j'éprouve. Les corps pendus au mur sont des voyageurs du temps, des anachronismes. Ils sont venus du passé. L'ordinaire, disait Antidia, c'est ce à quoi vous êtes habitué. Ceci peut ne pas vous paraître ordinaire maintenant, mais cela le deviendra après un temps. Cela deviendra ordinaire. Hier matin, je suis allée chez le médecin. J'y ai été amenée par un gardien, l'un de ceux à brassard rouge qui ont pour mission ce genre de choses. Nous avons pris une voiture rouge, lui devant, moi derrière. Aucune jumelle ne m'a accompagnée. Ces jours-là, je suis unique. Je suis conduite chez le médecin une fois par mois pour des examens. Urine, hormones, frottis de dépistage, prise de sang. La même chose qu'avant. Sauf qu'à présent, c'est obligatoire. Le cabinet du médecin est dans un immeuble de bureaux moderne. Nous montons dans l'ascenseur en silence, le gardien face à moi. Dans la paroi de miroir noir de l'ascenseur, je vois le dos de sa tête. Arrivé au cabinet, j'entre. Il attend dehors, dans le couloir, avec les autres gardiens, sur l'une des chaises placées là à cet usage. Dans la salle d'attente, il y a d'autres femmes, trois, en rouge. Ce médecin est un spécialiste. À la dérobée, nous nous entre-regardons, jaugeant le ventre les unes des autres. Y a-t-il une chanceuse parmi nous ? L'infirmier enregistre les noms et les numéros inscrits sur nos laissez-passer dans le CompuDoc pour s'assurer que nous sommes bien celles que nous sommes censées être. Il mesure 1m80, la quarantaine. Une cicatrice en diagonale lui barre la joue. Il tape à la machine, assis. Ses mains sont trop grandes pour le clavier.
il porte toujours son revolver dans l'étui fixé à son épaule. Quand je suis appelée, je passe la porte qui donne dans la pièce intérieure. Elle est blanche, sans signe distinctif, comme la première, à l'exception d'un paravent pliant en tissu rouge, tendu dans un cadre avec un œil doré peint dessus. Et plus bas, une épée dressée entrelacée de serpents, comme une espèce de poignée. Les serpents et l'épée sont des fragments de symbolisme brisé, survivance de l'époque d'avant. Après avoir rempli le petit flacon préparé à mon intention dans le cabinet de toilette, j'ôte mes vêtements derrière le paravent et les laisse plier sur la chaise. Une fois nue, je m'allonge sur la table d'examen, sur la feuille glaciale et craquante de papier jetable. Je remonte le second drap, celui de tissu, et m'en couvre le corps. Au niveau du cou, il y a un autre drap suspendu au plafond. Il me sectionne afin que le médecin ne voie jamais mon visage. Il a affaire uniquement à un torse. Quand je suis installée, j'étends la main, tâtonne à la recherche du petit levier placé sur le côté droit de la table, l'abaisse. Ailleurs, quelque part, une sonnette tinte sans que je l'entende. Au bout d'une minute, la porte s'ouvre. Des pas s'approchent. Il y a une haleine. Il n'est pas supposé me parler, sauf si c'est absolument nécessaire, mais ce médecin est bavard. « Comment allons-nous » dit-il, un tic de langage de l'autre temps. Le drap est soulevé de ma peau, un courant d'air me donne la chair de poule. Un doigt froid gainé de caoutchouc et enduit de gelée se glisse à l'intérieur de moi. Je suis fouillée et sondée. Le doigt se retire, pénètre autrement, ressort. « Tout va bien !» dit le médecin, comme pour lui-même. « Mal quelque part, ma belle ?» Il m'appelle ma belle. Je dis non. Mes seins sont manipulés à leur tour, à la recherche de maturité, de pourriture. Le souffle se rapproche. Je sens la vieille fumée, l'après-rasage, la poussière de tabac sur une chevelure. Puis la voix très douce près de ma tête. C'est lui qui fait ballonner le drap. Il murmure. « Je pourrais vous aider. Comment ?»« Chut !» fait-il. « Je pourrais vous aider. J'en ai aidé d'autres. »« M'aider ?» dis-je à voix aussi basse que la sienne. « Comment ?»« À votre avis, » dit-il, toujours dans un souffle. « Est-ce sa main qui se glisse vers le haut de ma jambe ?» Il a ôté le gant. La porte est verrouillée. Personne ne va entrer. Ils ne sauront jamais que ce n'est pas de lui. Il soulève le drap. La partie inférieure de son visage est recouverte du masque de gaz blanc réglementaire. Deux yeux bruns, un nez, une tête avec des cheveux bruns, sa main est entre mes jambes. « La plupart de ces vieux types ne peuvent plus machiner, dit-il, ou ils sont stériles. » Je manque de m'étouffer. Il a prononcé un mot interdit. Stérile. Un homme stérile, cela n'existe plus. Du moins officiellement. Il y a seulement des femmes qui sont fertiles et des femmes improductives. C'est la loi. Des tas de femmes le font, poursuit-il. Vous désirez un bébé, n'est-ce pas ? Il dit, vous êtes humide, c'est le moment. Aujourd'hui ou demain, ça marcherait. Pourquoi laisser passer l'occasion? Ça ne prendrait qu'une minute, ma belle. Le nom qu'il donnait à sa femme jadis, qu'il lui donne peut-être encore, mais en réalité, c'est un terme générique. Nous sommes toutes ma belle. J'hésite. Il s'offre à moi, ses services au prix d'un certain risque pour lui-même. « Je ne supporte pas de voir ce qu'ils vous font subir, » murmure-t-il. « C'est sincère.
une authentique sympathie, et pourtant, il prend plaisir à la situation. Il a les yeux humides de pitié. Sa main se déplace sur moi, nerveuse et impatiente. Je dis, c'est trop dangereux. Non, je ne peux pas. Sa main s'immobilise. Pensez-y, dit-il. J'ai vu votre feuille de température. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Mais votre vie est à vous. Je dis, merci. Il faut que je donne l'impression que je ne suis pas offensée, que je suis ouverte aux suggestions. Il retire sa main, presque paresseusement, nonchalamment. Il pourrait falsifier les examens, me dénoncer pour cancer, infertilité, me faire déporter aux colonies, avec les antifemmes. Rien de ceci n'a été dit, mais l'assurance de son pouvoir plane dans l'air, tandis qu'il me tapote la cuisse et retire derrière le drap qui pend. « Au mois prochain, » dit-il. Je me rhabille derrière le paravent. J'ai les mains qui tremblent. Pourquoi ai-je peur? Je n'ai pas traversé de frontière. Je n'ai pas fait confiance, pas pris de risque. Tout est sauf. C'est le choix qui me terrifie. Une issue, un salut. Le commandant est revêtu de son uniforme noir, dans lequel il ressemble à un gardien de musée. Un homme en pré-retraite, jovial mais circonspect, qui a du temps à tuer, mais seulement à première vue. Ensuite, il fait penser à un directeur de banque du Middle West, avec sa chevelure argentée, lisse et soigneusement brossée, son allure sérieuse, ses épaules légèrement voûtées. Et ensuite, il y a sa moustache, elle aussi argentée. Et après, son menton, qu'on ne peut vraiment pas manquer. Quand on descend jusqu'au menton, il ressemble à une réclame pour la vodka dans une revue de luxe des temps passés. Il gagne le grand fauteuil de cuir qui lui est réservé, sort la clé de sa poche, tripote le coffret chamarré cerclé de cuivre et gainé de cuir qui trône sur la table près du fauteuil. Il introduit la clé, ouvre le coffret et en extrait la Bible. Un exemplaire ordinaire à couverture noire et pages dorées sur la tranche. La Bible est conservée sous clé, à la manière dont les gens la gardaient autrefois le thé sous clé, pour que les domestiques n'en volent pas. C'est un engin incendiaire. Qui sait ce que nous en ferions, si jamais nous mettions la main dessus? Nous pouvons en subir la lecture à voix haute, la sienne, mais nous ne pouvons pas la lire. Nos têtes se tournent vers lui. Nous sommes dans l'attente. Voici notre histoire pour l'heure du coucher. Le commandant s'assied et croise les jambes sous notre regard. Les signets sont en place. Le commandant soupire, tire une paire de lunettes à monture en or de la poche intérieure de sa veste, les chausses. Maintenant, il ressemble à un cordonnier dans un vieux livre de contes de fées. La cérémonie se déroule comme d'habitude. Je suis couchée sur le dos, entièrement vêtue, sauf l'hygiénique petite culotte en coton blanc. Ce que je pourrais voir si j'ouvrais les yeux serait le grand baldaquin blanc du gigantesque lit à colonnes de style colonial, suspendu comme un nuage flasque au-dessus de nous, un nuage brodé de minuscules gouttes de pluie argentées, qui, à les regarder de près, se révèlent être des fleurs à quatre pétales. Je ne verrai pas le tapis, qui est blanc, ni les rideaux à ramages,
ni la coiffeuse juponnée avec sa parure brosse et miroir à dos d'argent, seulement le baldaquin, qui réussit à évoquer à la fois, par l'inconsistance de son tissu et la lourdeur de sa panse pendante, aussi bien l'éther que la matière. Ou la voile d'un navire, des voiles ventrues, dirait-on dans les poèmes, qui font ventre, poussées en avant par un ventre gonflé. Une brume de muguet sauvage nous entoure, fraîche, presque frisquette. Il ne fait pas chaud dans cette pièce. Au-dessus de moi, à la tête du lit, la femme du commandant est installée, déployée. Elle a les jambes ouvertes. Je suis couchée entre elle, la tête sur son ventre, l'os de son pupitre, sous la base de mon crâne, ses cuisses de part et d'autre de moi. Elle aussi est entièrement vêtue. J'ai les bras levés, elle me tient les mains, chacune des miennes dans l'une des siennes. Ceci est censé signifier que nous ne faisons qu'une seule chair, qu'un seul être. Que cela veut dire en réalité qu'elle est aux commandes du processus. Ma jupe rouge est retroussée jusqu'à la taille, mais pas plus haut. Plus bas, le commandant baise. Ce qu'il baise, c'est la partie inférieure de mon corps. Je ne dis pas faire l'amour, car ce n'est pas ce qu'il fait. Copuler ne serait pas approprié non plus, parce que cela implique deux personnes. Or, il n'y en a qu'une qui est en jeu. Violer ne convient pas non plus. Il ne se passe rien ici à quoi je ne me sois engagée. Il n'y avait pas beaucoup de choix, mais il y en avait quelques-uns et j'ai choisi celui-ci. Je reste donc allongée, immobile, et j'imagine le dais au-dessus de ma tête. Je me rappelle le conseil de la reine Victoria à sa fille. Fermez les yeux et pensez à l'Angleterre. Mais nous ne sommes pas en Angleterre. Je voudrais qu'il se dépêche. Peut-être suis-je folle, que ceci est une nouvelle méthode de thérapie. Je voudrais que ce soit vrai, alors je pourrais aller mieux et ceci disparaîtrait. La femme serre mes mains, comme si c'était elle et non pas moi qui se fait baiser, comme si elle trouvait la chose agréable ou douloureuse. Le commandant baise à un rythme régulier, de pas cadencés, une, deux, sans relâche, comme un robinet qui goûte. Il est absorbé comme un homme qui fredonne sous la douche sans se rendre compte qu'il fredonne, comme un homme qui a d'autres choses en tête. Et c'est comme s'il s'était d'ailleurs à attendre de jouir en tambourinant des doigts sur une table. Il y a une impatience dans sa cadence à présent, mais n'est-ce pas le rêve érotique de tout homme ? Deux femmes, à la fois, c'est ce qu'on disait, excitant, disait-on. Ce qui se passe dans cette chambre, sous le baldaquin argenté, n'a rien d'excitant. Cela n'a aucun rapport avec la passion, ni l'amour, ni le romantisme, ni avec aucune des autres idées qui nous servaient à nous émoustiller. Cela n'a rien à voir avec le désir sexuel, du moins pour moi, et certainement pas pour elle. Le désir et l'orgasme ne sont plus considérés nécessaires. Ils ne seraient qu'un symptôme de frivolité. Comme des jartels tape à l'œil ou des grains de beauté, distractions superflues que les femmes aient jadis consacré tant de temps et d'énergie à s'informer de ces choses, à y penser, à s'en inquiéter, à écrire à leur propos. Il est tellement évident que ce ne sont que des divertissements. Ceci n'est pas divertissant, même pour le commandant. Il s'agit d'une affaire sérieuse. Le commandant, lui aussi, fait son devoir. Si j'en trouvais les yeux, je pourrais le voir. Son visage, pas déplaisant, suspendu au-dessus de mon torse, avec peut-être quelques mèches de ses cheveux d'argent lui tombant sur le front, absorbé par son voyage intérieur, ce lieu vers lequel il se hâte,
et qui recule comme en rêve aussi vite qu'il s'en rapproche, je verrai ses yeux ouverts. S'il était plus beau, est-ce que je prendrais davantage de plaisir à ceci ? Il jouit enfin, avec un grognement étouffé comme de soulagement. Sa femme, qui retenait son souffle, le laisse s'exhaler. Le commandant, qui était arc-bouté sur les coudes, à distance de nos corps combinés, ne se permet pas de plonger en nous. Il se repose un instant, se retire, se rétracte, se rebraguette. Il fait un signe de tête, puis se détourne et quitte la pièce, en fermant la porte derrière lui avec un soin exagéré, comme si nous étions toutes deux sa mère souffrante. Il y a là quelque chose d'hilarant, mais je n'ose pas rire. La femme me lâche les mains. « Vous pouvez me lever, » dit-elle. « Vous pouvez vous lever aussi et partez. » Elle est censée me laisser me reposer 10 minutes, les pieds sur un coussin pour augmenter les chances. Elle est supposée consacrer ce moment à une méditation silencieuse, mais elle n'est pas d'humeur à cela. Il y a de la haine dans sa voix, comme si le contact de ma chair l'écœurait et la contaminait. Je me démêle de son corps, me lève. Le jus du commandant me coule le long des jambes. Avant de me détourner, je la vois lisser sa jupe bleue, serrer les jambes. Elle reste étendue sur le lit, à contempler le baldaquin au-dessus d'elle, raide et droite comme une statue. Pour laquelle des deux expire, elle ou moi ? Je suis étendue sur mon lit à une place, plate comme une tranche de pain grillé. Je ne peux pas dormir. Dans la demi-obscurité, je fixe l'œil de plâtre aveugle au milieu du plafond qui me fixe en retour, même s'il ne peut pas me voir. Il n'y a pas de brise. Mes rideaux blancs sont comme des bandages de gaz à pendre mollement, à miroiter dans le halo formé par le projecteur qui illumine la maison la nuit. Ou y a-t-il de la lune ? Je rejette le drap, me lève précautionneusement, à pieds nus, silencieux, dans ma chemise de nuit. Je vais à la fenêtre, comme un enfant, je veux voir. La lune est claire, mais difficile à distinguer à cause du projecteur. Mais si, dans le ciel obscurci, flotte une lune toute neuve, une lune pour faire un vœu, éclat de roche ancienne, déesse, clin d'œil. La lune est une pierre, et le ciel est plein de quincailleries meurtrières. Mais pourtant, mon Dieu, comme c'est beau.